Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2023 et l'actualité du jour est assez remarquable. Elon Musk, le milliardaire visionnaire et PDG de SpaceX, a annoncé que son entreprise étendrait la couverture satellitaire de sa solution Internet Starlink sur les pays de l'Afrique, dont le Maroc. Depuis sa création en 1995, MTDS, l'un des premiers fournisseurs d'accès Internet au Maroc, plaide en faveur de l'adoption de la technologie satellitaire Starlink. Pour MTDS, cette technologie disruptive permettrait au Maroc de se positionner comme un leader en Afrique pour résoudre la problématique d'accès à l'Internet dans les zones blanches ou mal desservies par les opérateurs télécoms. La solution Starlink d'Elon Musk représente une innovation majeure. Elle se distingue par sa capacité à fournir une connectivité Internet haut débit, en utilisant une vaste constellation de satellites déployés en orbite terrestre basse. Cette technologie a la particularité de supporter le streaming, les jeux en ligne et les appels vidéo. Karl Stanzik, directeur général de MTDS, est convaincu que le déploiement de la technologie Starlink au Maroc faciliterait et stimulerait l'accès à Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales reculées, pour les opérateurs maritimes, la télémédecine, les organismes d'urgence et les touristes. Le tarif de Starlink est fixé à 1000 dirhams, 100 dollars, par mois, avec un kit d'équipement de base coûtant 5000 dirhams, 500 dollars. Ce kit comprend un trépied et une antenne parabolique à large ouverture. Les débits offerts par Starlink varient entre 50 et 150 mégabits par seconde en téléchargement et entre 10 à 20 mégabits par seconde en upload, des chiffres largement supérieurs au seuil du très haut débit fixé à 30 mégabits par seconde de débit en téléchargement. Starlink est particulièrement intéressant pour les entreprises éloignées et rurales, les touristes en quête de connectivité à travers le monde, les sociétés maritimes nécessitant un accès au débit en mer, ainsi que les compagnies aériennes qui souhaitent offrir un accès Internet au débit et sans latence en vol. Voilà pour cette actualité, encore une fois un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne pour ne rien manquer des projets en cours au Maroc et de commenter la vidéo pour partager votre opinion. À bientôt pour une nouvelle actualité économique du Maroc.